السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. فيديو اللي نتمنى يلقاكم إن شاء الله الرحمن الرحيم في أحسن الأحوال، نتوما وعائلتكم والناس اللي كتبغيو كاملين. إذا نبداو على بركة الله. الفيديو أنا كيف ما شفتو في الفيديو السابق درنا الشرح ديال هاد النص ولا هاد لو دوكيمون هذا، لأن ماشي نص، هذا كيتعتبر أن تكست دوكيمونتيغ. درنا شرح مفصل يعني، وهضرنا بزاف على ابن بطوطة لو كغون فواياجور دو ليستواغ، ألوغ دو ليستواغ ماروكان ليستواغ إسلاميك لي دو. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, Rahim, on va essayer de répondre aux questions de compréhension. D'accord? Alors, on commence par la première question. Où Ibn Battuta est-il né? Où? Alors, ici, on demande le lieu. Fin, khalaq, Ibn Battuta. Alors, ici, on va dire Ibn Battuta est né à Tanger, au Maroc, bien sûr. Alors, à Tanger, la ville de Tanger, qui se trouve au Maroc. On va trouver la réponse ici, dans le premier texte. D'accord? Alors, quel est le but d'Ibn Battuta au début de ses voyages? Chnou kan l'hadaf d'Yal Ibn Battuta, l'awwal d'Yal les voyages d'Yal. Alors, le but, n'a daroure, lorsqu'on doit répondre aux questions, daroure, on prend les éléments de la question pour, yani, parce que ce que la réponse exacte. Alors ici, le but d'Ibn Battuta au début de ses voyages, c'est de partir au pèlerinage à la Mecque. C'est de partir au pèlerinage à la Mecque. D'accord? Ou la réponse dit à la première question, Ibn Battuta est né à Tanger. N'oublie pas, Tanger commence par T majuscule parce que c'est un nom propre d'une ville. D'accord? Alors, la troisième question, dans quel pays a-t-il nommé ambassadeur? Quel âge avait-il? Alors, là, il nous demande quoi? Il a de là, les kanfiha Ibn Battuta, ambassadeur. Ambassadeur, il y a Sefir. Ou, chel kanando, flage. Alors, il était nommé ambassadeur en Chine. Elle avait 38 ans. 38 ans, kifaj darna bach hisbnaha? Alors, là, on trouve la réponse, voilà. Avant d'être envoyé en Chine en qualité d'ambassadeur en 1342. Alors, 1342, ou 1304. Alors, on va faire 1342 moins 1304. Ça nous donne combien? Ça nous donne 38 ans. D'accord? Alors, elle était nommée ambassadeur en Chine et il avait 38 ans. Donc, on a 38 ans. D'accord? Alors, qui a aidé Ibn Battuta à écrire le récit de son voyage? Chkoul li sa'ad Ibn Battuta bach yekteb le récit, qissa dial li voyage dialo. D'accord? Alors, ghalqaw la réponse ici. Le sultan du Maroc envoya à Ibn Battuta un secrétaire pour l'aider à mettre par écrit le récit de ses voyages. Alors, la réponse, qu'est-ce qu'on va écrire? La réponse, c'est un secrétaire envoyé par le sultan du Maroc qui a aidé Ibn Battuta à écrire le récit de son voyage. D'accord? Alors, on répète. Là, il m'a dit qu'on a la question qui? Qui? On demande le sujet. Et la réponse sera qu'on a une C. Il est qu'on a avec le nom singulier ou la sous-sang. D'accord? On a un ambassadeur, un secrétaire, s'il-moi. Alors, un secrétaire, c'est singulier. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est un secrétaire envoyé par le sultan du Maroc qui a aidé Ibn Battuta à écrire le récit de son voyage. D'accord? Alors, on passe aux cinquième question. Combien de temps dure son voyage en Afrique de l'Ouest? Alors, la réponse, on va voir ici la carte. Ou faire les flèches. Alors, voyage en Afrique de l'Ouest, 1349 jusqu'à 1354. Et dans le rang, 1354 moins 1349, ça nous donne 5 ans. Alors, la réponse, son voyage en Afrique de l'Ouest a duré 5 ans. Son voyage en Afrique de l'Ouest a duré 5 ans. Il y a une 12 fiha, 5 sanawat. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'un boutre? Qu'est-ce qu'un boutre? Alors, là, comme vous voyez, on a un livre, c'est-à-dire la réponse, on a le dictionnaire ou dans un site d'internet. Et dans la réponse, un boutre, c'est quoi? C'est un petit cargo de construction traditionnelle arabe qui s'adonne au cabotage en mer Rouge et dans l'océan Indien à côte en bois très élancé. Alors, un poutre, واحد دو باطو هذا, وغن خلي لكم واحد ليماج وحدة فرغة تلقاوها مع لا فيديو, d'accord? هو واحد, يعني واحد لو باطو,
اللي تيكون بوتيكا غون دو كونستركسيون تراديسيونيل عرب اللي كانوا معروفين به يعني العرب اللي كان تي تي كيسادون او كابوتاج اللي كانوا كيستعملوه يعني باش ينافيغيو في مير روج في البحر الاحمر و لوسيون انديان في المحيط الهندي داكوغ اكوك اون بوا تري الونسي وعندو في لو ديبي ديالو واحد لو بوا هو هذا كيف ما كتشوفوا تري الونسي طويل داكوغ الوغ اون باس. Voilà, la définition. Un boutre, petit cargo de construction traditionnelle arabe qui s'adonne au cabotage en mer Rouge et dans l'océan Indien à coque en bois très élancé. D'accord? Alors, la sixième question, ou bien la septième question, où se trouve Qutb Minar? قطب منار يعني بالعربيه و سو تروف تي الا درت اون تي ريشيرش غنلقاوه الوغ قطب منار سو تروف او سود دو دلهي او سود دو دلهي في جنوب دلهي دلهي سو تروف اون اند داكوغ الوغ قطب منار سو تروف او سود دو دلهي اون اند هي هادي داكوغ سي اون كونستركسيون اللي هي قديمه بزاف سي بون الوغ اي La huitième question, quelles sont les différentes parties de ce document? Le document, quelles sont les différentes parties, les fils? Alors, on trouve, première chose, c'est le titre, d'accord? Alors, on appelle les sous-titres, on a des images, on a une carte, d'accord? Alors, la réponse, les différentes parties de ce document sont... un titre, des sous-titres, des textes, une carte et des images. D'accord? Alors, هادو كل ما يخص les réponses aux questions de 1 jusqu'à 8. نتمنى اني نكون توفقت في الاجوبه عليهم. ونتمنى كذلك انكم ما تنساونيش من لايك ديالكم ومن لي كومونتير المحفزين ديالكم كيف ما العاده. تنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. ولا كنتوا اول مره تزوروا القناه ديالي ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تحرمونيش من الدعم ديالكم فريمون جي بوزوان يعني هذاك لو سوتيان. اذا نخليكم في امان الله وحفظه والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. اوغوفوار.